Amis internautes, frères et sœurs, bonjour, bonsoir. Jeudi 23 février, Vigilung hein, pour titre, elle ne, se retourne, elle ne retourne pas à moi sans effet. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accomplir avec succès ce, ce pour quoi je l'ai envoyé. Esaïe 15, verset 11. Papa, nous qui dans là nous disons merci pour grâce ou bien fait en manifestant vers nous. Merci Seigneur pour tout ce qu'on fait pour nous et pour tout ça que va continuer à faire pour nous. Nous nous relevons matin pour nous rabattre. En fait, nous nous envoie que nous commençons journée journées à convoyer esprit pour nous. Pardon des péchés, nous bénis Journée ça pour nous au nom de Jésus. Amen. J'ai appris l'expérience de Nam yong en, en 2012. C'était à l'époque un fermier coréen de 72 ans. Qu'a fait Monsieur Nam pour sortir de l'anonymat et pour être connu sur tous les continents? En 2003, alors qu'il servait comme missionnaire à Pékin et après avoir été arrêté pour sa voix, Nam a approfondi sa vie spirituelle et est devenu un lecteur et un transcripteur assidu des Écritures. Pour, nommer à, pour mener à bien cette grande œuvre, il consacrait environ six heures de temps par jour pour, à cette tâche. Selon Nam, la pratique de la lecture et de la transcription de la parole de Dieu a eu un impact très positif sur sa vie. Car il ne se définissait comme un homme impétueux et agressif cependant, la lecture et l'écriture et, et la, la transcripture des écrits, des écrits sacrés l'ont amené à reconnaître qu'il était pécheur et à se sentir, et à sentir que son cœur s'adoucissait et que ses tendances agressives disparaissaient. En raison de son expérience en tant que vétéran de guerre, Nam souffrait de graves problèmes de vue de fortes douleurs aux poignets, aux bras et à l'épaule. Cependant, après avoir commencé à lire et à transcrire les lectures, de, de sa, sa santé s'est améliorée et il a porté à dix le nombre d'heures qu'il consacrait à ce noble et laborieux ex, et métier. L'expérience de Nam ne devrait-il pas devenir la nôtre? Avons-nous expérimenté en nous-mêmes la puissance de la parole de Dieu? La parole qui a donné à Monsieur Nam la guérison physique et spirituelle et est à la portée de nos droits et à côté de nos lits sur les étagères de nos maisons. Combien de temps consacrons-nous à l'étude de la, à, et à la méditation de ce livre divin? Comme Jérémie, nous devrions dire tes paroles se trouvaient là. Je les ai dévorées. Ta parole a fait la gaieté et la joie de mon cœur. Jérémie 15, verset 16. Saisissons la relation du prophète avec la parole. Jérémie a fait de la parole sa nourriture, sa force et sa source de joie. Le prophète Jérémie et M. Nam sont les témoins de l'accomplissement de, la, de cette promesse. Et si, en est-il, ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accomplir avec succès ce pourquoi je l'ai envoyé. Si la parole de Dieu entre en nous, notre Seigneur fera de beaux miracles dans notre vie. Là, il y nous, que la parole, bon Dieu, a fait un pile bagaille dans la vie, nous. Yo parle nou de eksperyans de M. Nam ki te on misioner a Pekin ke te arete. Men sepandan ki sa te fe, li te pou te e, e, apofondi foali, li te e, 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 etudye etroskri la lesekritu, li te mette 6 or de top or jou pou te kapap fe sa. E se li vu, jan ke temperament te ea, moun ke te ea, li te tre agresif, e eh bè di wèl komanse chanje. Se te yon soldat ke te, di te gen de douleur, di pat ka wè bien, e eh bè tout bagay sa yo, yo te chanje, di te vin geri. E lèl gade lò wè ke, e fè pozisif sa fèd la kaj li, di te vin konsakre 10 or de tan por joun pou e pou sa. E bè ou fè, eske, yo mande nou, eske eksperyans nan pat tupose yon panoutou, e koumye de tan ke nou konsakre nou mèmman pou nou, e, e, eske nou men nou, nou we ki merite ke puissance bon Diyo a genyen, e bien, parol bon Diyo a li bay nam, gerison fizik e spirituel. Parol sa, li bon kote nou, li bon kote kaban nou, li sou etajen la kay nou. Koumyen de ton ke nou konsakre pou nou kapab medite la parol de Diyo. Mem jan avek Jeremie nou, gen, gen parol sa sou bouch nou. Jeremie di, Parol ou a jwen ni uh, la e mwen devorel. Parol ou a li bom dete, li bom jwa. An nou sezi menmou la syo sa ansanm avek promet la. Poske Jeremie, parol bon Diyo a devini yon nourituyo pou li, yon fos e yon souse de jwa. Mem jwa avek nam e avek Jeremie. An nou kite promes bon Diyo ya pou nou kapab aji an nou menm. Lel di... Se kon sa, se ak parol mwen ki soti nan bouch mwen, li patounen, viljwen mwen, sans efè, san yon yo pa te akopli volontè mwen ak, akopli avèk sikse sa mwen, vo, sa mwen voyèl fè ya. Ebyen nou konè ke, si nou ki te parol bon Diyo ya, antrenan nou mèm, ebyen, gan pil bet mirak ki kapap fèt nan la vi nou, ke nou kapap pase yon bon jounè.